monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors il y aura unboxing ELF et un petit gain que j'ai gagné sur la chaîne de Marie. Je vous laisserai son lien en barre d'infos si vous la connaissez pas. C'est une personne, c'est un soleil, elle toute seule c'est un soleil. Voilà, elle fait des vidéos, ils sont pleins de fraîcheur. Si vous voulez aller la découvrir, foncez les filles, parce que franchement elle donne toujours un avis, voilà, son propre avis. Elle est claire, elle ne mâche pas ses mots, et voilà, donc je vous la recommande vivement. Donc j'ai gagné un petit lot pour ses 1000 abonnés. Donc elle avait, il y avait 8 lots je crois, 8 petits lots à gagner, et donc j'ai fait partie des gagnants, donc je suis très contente. D'ailleurs Marie, je sais que tu passes souvent par ici, donc si tu vois cette vidéo, je te fais des gros bisous, je t'adore. Et donc je vais vous montrer tout de suite, je ne l'ai pas rangé, j'ai juste déballé parce que j'étais ma curieuse, et donc je vais vous montrer tout ça pour pouvoir le ranger et pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai reçu dans une jolie petite enveloppe avec un petit mot. Et dedans, donc il y a déjà des petites cuillères comme ceci. Voilà, à mettre dans le lait. Et ça fond et vous avez le chocolat. Donc ça c'est super parce que ça vient de chez Action. Et moi c'est vrai que j'en ai jamais pris. Donc du coup je vais pouvoir goûter. Et je suis sûre que ma fille va adorer aussi vu qu'elle est fan de chocolat. Donc je suis super heureuse. Ensuite, dans ce lot, voilà, elle avait fait des petits emballages comme ça. Donc c'était marqué « Je l'aime d'amour ». Donc, hop, tout bien emballé. Et on retrouve donc une crème, un lait pour le corps. Donc c'est incandescence de chez Avon. Donc c'est un 150 ml. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'espère que ça va aller pour la vidéo. Parce que là, il y a le soleil qui donne et mes réglages, enfin ma lumière, c'est compliqué. Donc, j'espère que vous verrez quand même. Donc, ça sent divinement bon. Divinement bon, divinement bon. Franchement, donc la crème est comme ceci. Et ça m'a l'air super, je suis pressée de tester ça. Et donc, le dernier petit cadeau, donc qui était emballé comme ça, elle est juste avec des petits points et c'est marqué, elle a mis un petit sticker, c'est marqué perfect. Et donc voilà la chose. Donc la palette, alors celle-ci c'est la, je ne rends pas de bêtises, la High Art Chocolate. En fait celle-ci c'est la dupe de la je ne sais plus le nom. Enfin, bref. La palette Too Faced. La première, en fait, qu'ils ont sorti. Donc, voilà. Je remettrai le nom ici. J'ai un trou, là. Je suis un petit peu perturbée. Donc, en ce moment, donc, voilà. J'ai un trou. Donc, je vous remettrai le nom des filles. Donc, voilà comment elle se présente. Elle est superbe. Voilà, et ça c'est un dupe d'une Too Faced, donc je suis hyper ravie, j'espère que ça va aller en luminosité, hein. Franchement je suis pas sûre les filles. Donc celle-ci, en fait moi j'en ai déjà deux, j'ai la Pink Fizz, la Salted Caramel, de chez Makeup Revolution, enfin iHeart Makeup, et du coup bah, celle-ci je l'avais pas, donc je suis pressée de pouvoir la tester, et d'ailleurs je la testerai demain matin. Donc voilà, un petit swatch vite fait. Voilà. Si vous voulez une revue ou quelque chose avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est franchement, je suis super contente. Je te fais des gros bisous vraiment Marie, parce que cette palette, voilà, j'avais pas passé le cap de l'acheter, j'avais acheté les deux autres et je suis complètement satisfaite de cette marque. Et franchement les filles, je vous les recommande à 2000% quoi. À 2000% ces palettes, c'est des merveilles. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite revue sur mes palettes pour vous montrer, parce que j'ai quand même beaucoup de Makeup Revolution et puis bah, d'autres marques. Donc si vous voulez une petite revue sur mes palettes pour que je vous dise ce que j'en pense, n'hésitez pas à me le dire, ça serait gentil. Comme ça je sais, et voilà. Et je ferai une petite revue là-dessus
pour vraiment vous en parler plus en approfondi. Je pourrais vous faire une revue sur les trois déjà palettes de Charlie Hurt Makeup. Ça, je pense que ça peut être sympa parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont toujours pas franchi le cap en ne sachant pas ce que ça vaut. Et franchement, moi j'ai eu du mal à passer le cap, je m'attendais pas à grand chose de bien. Et en fin de compte, franchement, elle équivaut aux grandes marques et sans problème quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer donc à ELF. Donc j'ai été chercher mon petit colis ce matin. Donc je ne l'ai pas, j'ai juste enlevé les sangles. Je ne l'ai pas, je me mets un coup, je ne l'ai pas ouvert. Donc en fait j'ai commandé principalement parce que j'avais besoin de crayons à sourcils parce que les miens étaient terminés et j'adore ceux de chez ELF. Ils n'ont pas de sous-ton orange, ils ont la teinte que j'ai besoin moi étant blonde. Donc bah du coup je voulais pas passer commande parce que les finances moi-ci n'étaient pas au rendez-vous. Mais en faisant le tri dans mes crayons, je me suis aperçue que de toute façon je n'avais plus rien. Donc je n'avais pas le choix, enfin pas le choix. C'était pas vital non plus, hein, n'abusons pas quand même. Mais voilà, je me suis dit que de toute façon, il fallait que je passe le cap. Et puis, il y avait, je crois que c'était au moment de la journée de la femme, il y avait 10% pendant 2 jours, je crois, sur la commande. Donc, j'ai commandé à ce moment-là, j'ai dit, vas-y, profite, saute sur l'occasion. Donc, quand on ouvre, là, on tombe là-dessus. Voilà. Donc, il y a une réduction chez Spartoo. Je vous mettrai le code en barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon, vous faites une petite imprime là où vous notez vite fait. Hop, voilà. Moins 20% chez Spartoo. Est-ce qu'il y a un minimum? À partir de 100 euros d'achat. Voilà. Donc, offre découverte. Ensuite, j'ai. Alors, Step by Step Makeup. 20% de réduction sur les trios dans ma paupière. Marbré avec le code TRIO. Qui est valable jusqu'au 31 mars. Donc, j'essaie de me dépêcher de vous mettre la vidéo en ligne. Et puis, je vous mettrai le code aussi ici, si ça vous intéresse. Derrière, il y a un petit tuto, les petits secrets du make-up irisé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Je retrouve la facture. Donc, je n'ai pas pris grand-chose. Hein. Mais j'ai pris une petite nouveauté. Donc, j'ai pris un concealer. J'allais dire de chez ELF, mais ouais, puisque c'est ELF. Donc en teinte ivory, alors il y a deux sortes de concealer. Il y avait celui-là, il y en avait un autre. Par contre, l'autre il est quand une teinte. Et donc j'avais peur que la teinte soit trop foncée, puisque j'ai un teint cadavérique et l'anti-cerne faut vraiment qu'il soit le plus clair possible. Et donc voilà, donc je me suis rabattue sur celui-là. Donc j'ai pris en teinte ivory, donc j'espère qu'il sera bien. Parce que je n'ai plus de concealer, il faut que je fasse une commande chez les maquillages, mais du coup ça attendra le mois prochain pour ça. Donc du coup j'ai pris ça, on va bien voir ce que ça peut donner. Alors c'est un embout mousse comme ceci. Ça m'a l'air pas mal, moi ça m'a pas l'air super couvrant, mais bon j'ai pas des grosses cernes moi d'ailleurs, donc voilà, ça ne va pas me déranger plus que ça. On va voir, je vais tester, je vous en reparle de toute façon, hein, comme d'habitude les filles, vous êtes au courant. Et donc ensuite, bah du coup je me suis pris donc 2 crayons à sourcils de chez ELF, donc en teint taupe, donc c'est pour les blondes et les châtains clairs. Donc je vais vous en déballer un pour vous montrer, mais normalement si vous me suivez, vous avez déjà vu, vous l'avez déjà vu, puisque je vous l'ai montré dans ma revue ELF pour donner mon avis, donc que je vous remettrai là si vous ne l'avez pas vu. Et puis bah, dans mes produits terminés du coup, puisque voilà, je l'aime tellement que je l'ai terminé. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez l'embout là. Alors ça je m'en sers pas, je vous le dis à chaque fois, mais je vais vous le redire. L'embout de chez ELF, moi il sert pas. C'est bien pour les sourcils, mais pas pour les cils, c'est beaucoup trop gros. Mais bon, ça on s'en fiche, c'est pas grave. Moi le principal c'est ça et ça, voilà. Ça, voilà, vous avez tout ça. Moi il me fait à peu près un mois. Je me maquille tous les jours. Et alors c'est la teinte parfaite. Parfaite. Voilà, allez. Donc voilà, j'en ai commandé 2, comme ça je suis tranquille au moins pendant 2 mois. Parce que c'est vrai qu'il bah, vaut que 3 euros, je crois. Je vous remettrai tous les prix, hein, de toute façon. Mais je crois qu'il vaut que 3 euros. Et donc voilà, à chaque fois, il faut faire une commande pour avoir ces petits crayons. Et donc, je me suis commandé les nouvelles palettes de chez ELF, donc, qui sont comme ceci. Donc, vous avez la contour palette, comme ça.
vous avez la palette de blush comme ceci et vous avez la palette d'illuminateur comme cela. Donc voilà, cela coûte je crois 8 euros, un truc comme ça. Donc on va commencer tout de suite par la contour palette. Donc qu'est-ce qu'il marque derrière? Pas grand chose. Donc ça vient d'arriver je crois sur ELF, hein, sur le site. Donc et franchement je trouvais le concept pas mal, je vais vous expliquer ça. Enfin, je vais essayer déjà de voir avec vous un peu ce que ça donne parce que du coup voilà. Alors, donc ça se présente comme ça, en noir mat, avec écrit ELF dessus. Et voilà. Donc voilà, donc là vous avez deux fards mat, donc anti-cerne et pour illuminer, et vous avez deux bronzers, donc avoir les bronzers, ouais, voilà, on va faire, c'est un peu poudreux, rien de bien méchant, donc les bronzers sont là, je sais pas si vous allez bien voir, ici et ici, donc il n'y a pas de sous-ton orange, donc ça c'est plutôt cool. Et là, vous avez les enlumineurs, mais vous verrez rien du tout. De toute façon, je voulais... Je ferai un article sur le blog. La particularité de ces petites palettes, déjà, c'est pratique pour emporter. Et en plus de ça, les petits pads, ils s'en vont. Et donc, vous pouvez créer... Alors, je ne sais pas comment, par contre. Hein. Je ne sais pas. Et j'ai peur de tout casser. Donc, je sais qu'ils s'enlèvent. Vous voyez derrière. Voilà. Donc là, il faut que je regarde comment on fait. Il s'enlève et donc vous pouvez créer votre petite palette à vous. Et c'est à dire que du coup, si vous partez en voyage, vous pouvez mettre une teinte illuminateur, vous pouvez mettre un bronzer, vous pouvez mettre un blush. Enfin, vous voilà, vous créez votre palette comme vous voulez. Je commence déjà à mettre le doigt dedans, c'est plutôt cool. Donc voilà, je trouve ça le concept plutôt sympa. Celle-là m'a l'air pas mal, hâte de la tester. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite. J'ai la palette donc d'illuminateur. J'ai pas pris de lingette, j'aurais dû parce que pour les swatchs, voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est moi. Ensuite, donc, illuminateur, ça se présente comme ceci. Celle-ci, par contre, celle-ci, elle est faite. Alors voilà, elle est mate comme ça et vous voyez, c'est marqué ELF dessus. Alors, celle-ci, par contre, elle est mate aussi. Par contre, là, c'est un autocollant et il est très mal collé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Mais c'est très mal collé, enfin c'est de travers quoi, bon c'est pas grave. Donc, alors là c'est les illuminateurs, donc ils sont comme ceci. Ils sont ici, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc ça c'est pas mal aussi je trouve. Donc à tester. Et je vous en reparle. Ce que j'ai vraiment aimé c'est le concept, le fait qu'on puisse transformer sa palette comme on le veut et donc quand on part c'est vraiment plus commode que d'emporter 40 000 trucs. Donc et celle-ci, donc la blush elle se présente comme ceci, donc le ELF et ce coup-ci est marqué là. Et donc il y avait deux teintes par contre la palette, donc moi j'ai pris la teinte, les teintes les plus claires je crois. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez quatre pads comme ça, donc ouais moi c'est la light, voilà. Donc les blushs. Vous avez, hop, il y a des petites, alors celui-ci a des petites paillettes, mais quand on le met, on ne les voit pas. Voilà, donc là, ils sont ici, les quatre ici, donc ça m'a l'air vraiment très bien, voilà. Donc, je vous expliquerai sur le blog comment on fait pour enlever les pads, parce que là, j'ai vraiment peur de les casser, en fait, c'est pas évident du tout. Ah, voilà, donc voilà. Je vous montre. Vous poussez derrière et en fait vous vous retrouvez avec le petit pad ici. Voilà. Et donc vous faites votre palette avec vos quatre petits fards. Donc ça, je trouve ça le principe très 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 bien. Donc je vais tester tout ça et je vous en reparle soit en vidéo, enfin en vidéo c'est sûr, je vous en reparlerai dans les produits que j'utilise ou dans les favoris ou dans les flops et bah, je vais vous faire les articles sur le blog. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée.